Bien évidemment, hein, on continue notre série d'invincibilité. Ça va faire 7 matchs, hein, si j'ai bien compté. Donc c'est une satisfaction, surtout devant le leader, qui bien évidemment montera en Ligue 2 et qui a justifié justement sa place et sa saison. Est-ce que finalement, il n'y a pas quelques regrets sur le résultat final au vu des situations que vous avez eues en fin de match pour aligner? Oui, bien sûr, on a toujours quelque part des regrets lorsqu'on se crée des situations qui auraient pu nous permettre de mettre ce deuxième but, mais globalement, satisfaction du comportement général de l'équipe. Je crois que c'est une des premières mi-temps la plus aboutie qu'on a réalisée. Donc, et puis, malgré le but qu'on a encaissé, l'état d'esprit des joueurs ne s'est pas démenti. C'était vraiment le comportement de l'équipe a été très intéressant. Est-ce que les joueurs étaient un peu abattus à la mi-temps sur ce score pas forcément arrêté? Abattus, non, parce que bon, ils ont été abattus pendant 5 minutes, bien évidemment, après avoir encaissé le but. Puis ils se sont remis dans le jeu et à la mi-temps, bah, ils sont repris en main et puis voilà quoi. De tenir tête à une équipe qui va certainement monter en Ligue 2, ça fait du bien contre la suite. Oui, mais c'était un match parmi les 5 derniers, donc nous, on avait conscience de la difficulté de la tâche, mais c'était important pour nous de continuer la série. Qu'est-ce que vous avez pensé du niveau de QRL ce soir? Alors, équipe très dangereuse, parce qu'on a l'impression de faire jouer égal, et puis la preuve, c'est que la première occasion, et j'ai eu l'occasion de le dire sur le banc, c'est que malheureusement, je me dis, ils n'ont pas eu une occasion, au bout de 30 minutes, ils n'ont pas eu une occasion, la première, ça va être la bonne, on n'a pas loupé. Mais donc, très, très réaliste, voilà. Et je pense qu'ils ont certainement fait des prestations encore d'un autre niveau, d'où la question d'ailleurs, mais ils étaient dans une situation, et ça on en avait parlé avec les joueurs, où il faut gagner et on est champion, on est sûr d'être champion, mais bon, même si on gagne pas, on sera vraisemblablement champion, c'est repousser l'échéance. Donc dans la tête, je pense que ça peut jouer. Vous saviez comment embêter cette équipe de QRM, notamment les 20 premières minutes, en jouant dans leur camp, en jouant assez haut, en les pressant? C'est ça, exactement. C'est la description de ce qu'on avait essayé de faire, de mettre en place.